Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Père éternel, nous te bénissons ce matin. Nous voulons simplement t'honorer, t'exalter, élever ta grandeur. Seigneur, en ce matin, nous nous tournons vers toi. Nous voulons répandre nos cœurs sur ton trône de grâce, confier notre journée, déposer nos familles, Seigneur, sur ton trône de grâce, déposer nos travails sur ton trône de grâce. Nous ne voulons pas commencer cette journée sans toi. Voilà pourquoi nous venons à toi, fléchissant les genoux de nos cœurs, pour élever ta grandeur, pour t'honorer, pour t'exalter. Parce que Seigneur, tandis que nous nous sommes relevés ce matin, d'autres n'ont pas pu se lever. Ne serait-ce que pour cela, pour le souffle de la vie, nous te rendons grâce. Et nous t'élevons en disant que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Même si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle, parce que tu es un Dieu fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Et il ne changera en aucun cas. Il ne changera en aucun cas. Même si moi je suis infidèle, mon papa lui il reste fidèle. Parce que sa fidélité durera toujours. Parce que lui-même il est le Dieu de la fidélité. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Seigneur, même si tout ne se passe pas comme je le voudrais, je veux simplement m'abandonner à toi. Parce que ta parole déclare que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà pourquoi je remets mon espoir en toi. Je remets ma confiance en toi. Roi de gloire, roi de ma vie. Et je te confie simplement cette journée, toi l'alpha et l'oméga. Que l'Éternel te bénisse en ce matin, en le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.